En débutant la journée, on est en train de descendre la deuxième brimbale. Et ouais, une belle petite mouchetée. Les Afroniques de Pont-Neuf, ça fait juste commencer. Yes! Pas mort par sa cam, mais c'est le fun en crime, là, on court un peu partout. Une deuxième, directement après ma première. Directement dans le tout d'un côté. On fournit pas. Oh, oh, oh. Atomic teaser. Il y en a une qui taquine, on la laisse tranquillement avaler le verre. Non, fausse alerte. Oh non. Ah. Hey. Oh non. Oh non. Ça arrive des fois, on peut pas tout le temps les avoir. Faire du plaisir, les Afroniques de Pont-Neuf! Dans les réserves Afroniques, on connaît bien les activités d'été. Il y a de la pêche, il y a de la chasse, mais l'hiver, il y en a plusieurs aussi des réserves qui offrent des activités. Ici, à Réserve Afroniques de Pont-Neuf, on a du patinage, de la raquette, du ski de fond, de la pêche sur glace, puis là, on s'en va essayer les glissades. C'est blabla, on y va! Deuxième matin de pêche à Réserve Faunique de Pont-Neuf, même pas eu le temps d'installer nos brimbales qu'on a déjà 4 de prise. Hâte de voir la suite. La suite, elle va bien. Très grosse sur grâce. Yes. Autre belle truite. Au format, ça. C'est parti. On drop le leurre, on voit ça réagit. Un petit temps mort, on a changé un peu notre tactique, on a visé le fond en place de rester juste en dessous de la glace. Ça a donné des bons résultats, là. Il y en a vraiment de la belle au travers. On vient de finir notre séjour dans la réserve faunique de Pont-Neuf. On a pu faire pas mal toutes les activités hivernales qu'il y avait ici. On est devant le petit chalet en avant du lac Lindsay pour la pêche blanche. Donc on peut se réchauffer, il y a un petit poêle à bois là, c'est là qu'il y a le stock, les brimbales, etc. Le gardien laisse le foyer au chaud. Superbe de belles installations. Venez essayer ça, ça fait un nouveau petit beau séjour en plein hiver.